Kate Middleton aurait besoin de passer du temps en tête-à-tête avec son nouveau-né. Comme le révèle le magazine Look, elle a en effet l'intention de déménager plus tôt que prévu dans sa nouvelle résidence à Amy Hall. Kate Middleton et son mari le prince William ont mis au monde leur premier enfant le mois dernier, un petit garçon du nom de George Alexander Louis. Depuis, les jeunes parents ont passé un certain temps avec la famille de Kate dans le comté de Berkshire, au Royaume-Uni, et s'éloigné ainsi de la pression médiatique. Mais la duchesse de Cambridge deviendrait claustrophobe suite au trop grand soutien qu'elle reçoit. C'est pourquoi la jeune femme âgée de 31 ans, a décidé d'avancer la date de leur déménagement dans le comté de Norfolk. Kate Middleton a besoin d'air. Elle souhaite en effet déjà s'installer dans leur nouvelle maison, à Amy Hall, pour passer des moments privilégiés avec son petit. Kate reconnaît avoir beaucoup de chance d'avoir un tel soutien, mais cela peut être également étouffant, raconte une source dans le magazine britannique Look. Ce qu'elle désire n'est en fait rien d'autre que ce que souhaite toute nouvelle mère, un peu d'intimité et la possibilité de se rapprocher de son bébé, et cela n'est pas possible avec tout le personnel et la famille interrompant toutes les 5 minutes. Rien que s'occuper du courrier lui prend une heure de sa journée, il y a tellement de cartes et autres lettres. Un déménagement à Amy Hall. Même si Kate Middleton vit très bien la maternité, elle n'avait apparemment pas réalisé à quel point cela pouvait être fatigant. C'est l'unique chose que Kate n'a pas appris dans ses livres sur la maternité, ajoute le proche. Les gens veulent aider, mais le bruit et l'activité constante peuvent être fatigants lorsque vous êtes en manque de sommeil et totalement immergé dans la maternité. Le déménagement est donc imminent pour la petite famille royale, même si le prince William est déjà retourné travailler en début de semaine à la Royal Air Force. Amy Hall est une résidence géorgienne de 10 pièces où la tranquillité du lieu avait été l'argument de vente pour la maman du prince George de Cambridge. Le couple royal avait l'intention d'aménager dans la nouvelle propriété en fin d'année, mais les actuels locataires auraient facilité la tâche à Kate Middleton en acceptant de libérer les lieux plus tôt, avec Cover Media. But there's all times through the rough times I think you